ou l'Ukraine, M. Trudeau qui parle, on va l'écouter. Je veux commencer aujourd'hui en vous confirmant que le Canada et les États-Unis se sont entendus pour prolonger de 30 jours les mesures à la frontière qui sont en place. C'est une décision importante, une décision qui va garder tout le monde en sécurité des deux côtés de la frontière. C'est un autre exemple de la relation exceptionnelle entre nos deux pays. J'aimerais remercier le ministre Bilder pour ses discussions avec les États-Unis. Se sont entendus pour prolonger d'encore 30 jours les mesures frontalières qui sont déjà en place. C'est une décision importante qui va protéger les gens des deux côtés de la frontière. Et je veux remercier le ministre Blair d'avoir mené ces discussions avec les États-Unis. We're all here today, but it is the weekend. Nous sommes tous ici aujourd'hui, mais c'est le week-end. Et habituellement, un samedi matin en avril veut dire d'aller à l'extérieur pour profiter du soleil, avoir un ami pour prendre un café, amener les enfants au parc. Mais nous ne vivons pas des temps normaux. Nous traversons une situation d'urgence sanitaire jamais vue et nous devons y répondre conséquemment. Alors même si la météo s'améliore, même dans les semaines à suivre, même si les nouvelles seront positives, on ne peut pas lâcher. Parce que si nous lâchons, on pourrait perdre le progrès que nous avons réalisé. Un peu plus tard aujourd'hui, vous allez peut-être voir de nouvelles publicités avec des gens que vous connaissez, Chris Hadfield, Dr. Tam. Ces publicités vont vous rappeler de rester à la maison et de sauver des vies ainsi. Voilà comment nous pouvons nous garder en sécurité. Alors, restez à la maison, limitez vos déplacements une fois par semaine à l'épicerie. Si vous sortez à l'extérieur, gardez une distance de 2 mètres par rapport aux autres. Et pendant que vous faites votre part, sachez que nous sommes là pour vous soutenir. Des publicités qui montrent des gens que vous connaissez, comme Laurent Duvernay-Tardif, David Saint-Jacques et la docteure Mona Nemer, notre conseillère scientifique en chef. Ils vont vous rappeler de sauver des vies en restant chez vous. Comme je le dis souvent, tout le monde doit faire sa part. Au cours des dernières semaines, on a annoncé des mesures historiques pour vous aider à traverser cette crise. Avec la prestation d'urgence, la subvention salariale et les prêts aux petites entreprises, on appuie des millions de familles et de travailleurs à travers le pays. Mais il nous reste encore du travail à faire. Il nous reste encore des gens à aider. Donc aujourd'hui, j'annonce d'autres mesures de soutien ciblées. Notre gouvernement va allouer plus de 306 millions de dollars pour aider les entreprises autochtones. Le financement sera acheminé par l'entremise d'institutions financières autochtones et de l'Association nationale des sociétés autochtones. Ils permettront aux entreprises d'obtenir un prêt sans intérêt à court terme et des contributions non remboursables de façon à ce qu'elles puissent traverser la crise et surtout rebondir après. Les investissements annoncés aujourd'hui vont aider des milliers d'entreprises à tenir le coup jusqu'à ce que la situation s'améliore, y compris beaucoup d'entreprises dirigées par des femmes autochtones. Ces entreprises emploient des gens d'un bout à l'autre du pays, dans beaucoup de secteurs. C'est une première étape. Bientôt, on va annoncer d'autres mesures pour soutenir les entreprises autochtones et leurs employés. This morning, I am very happy. Ce matin, je suis très heureux d'annoncer que le gouvernement va allouer plus de 306 millions de dollars pour donner aux entreprises autochtones le soutien qu'ils ont besoin. Ce financement sera fourni par des institutions financières autochtones et administré par l'Association nationale des sociétés autochtones. Cela va permettre aux entreprises autochtones d'accéder à des prêts sans intérêt de court terme et des contributions non remboursables, alors elles seront mieux positionnées pour traverser ces moments et rebondir après la crise. Aujourd'hui, cet investissement va aider des milliers d'entreprises
à traverser ces moments, incluant plusieurs entreprises qui sont dirigées par des femmes autochtones. Ces entreprises emploient des travailleurs partout au pays, dans des petites communautés ou dans des grandes villes. Elles créent de bons emplois dans plusieurs secteurs, alors quand on les soutient, on soutient des familles et des travailleurs aussi. Et ceci n'est qu'une première étape. Nous aurons davantage à annoncer pour aider les entreprises autochtones et les gens qui travaillent pour elles. Les petits entrepreneurs sont au cœur de plusieurs communautés et il s'agit de moments difficiles, que vous soyez propriétaire d'un magasin, d'un restaurant ou que vous soyez dans le secteur du tourisme, de l'hébergement. Nous allons être là pour vous. Et il y a eu plusieurs mesures comme le prêt d'urgence, le compte d'urgence ou encore la subvention salariale, la prestation d'urgence. On se concentre pour vous aider. Les temps vont devenir plus faciles, mais avant que cela survienne, on doit se préparer à persévérer. Et cela inclut le fait de s'assurer que nos travailleurs du front, dans la santé, aient la protection nécessaire. Hier, deux avions remplis de masques N95 et d'autres matériels sont arrivés au Canada. Plus de livraisons vont arriver au cours du week-end et la semaine prochaine avec du matériel médical supplémentaire. Je peux aussi vous annoncer que nous allons commencer à recevoir des livraisons de visières de Toronto Stamp très bientôt. Ils ont converti leur production de caoutchouc habituel et vont fournir des visières au cours des prochains mois. Hier, deux avions sont arrivés avec des masques N95 et des combinaisons. Et d'autres avions transportant du matériel médical arriveront en fin de semaine et au courant de la semaine prochaine. On attend tous avec impatience le moment où tout sera fini. On attend tous les samedis où on va pouvoir voir nos amis ou amener nos enfants à un anniversaire. Ce jour-là va arriver, mais seulement si tout le monde continue de faire sa part. Donc, cette fin de semaine, restez chez vous. Continuez de suivre les directives des experts et ensemble, on va passer à travers. Merci. Thank you, Prime Minister. We'll now go to the phone lines for some questions. Just a reminder, it's one question, one follow-up. Operator. Thank you. Merci. La première question, Michel Lamarche, TVA Nouvelles. À vous. Oui, bonjour. Une petite question pour vous au sujet de cette entente qui est reconduite sur la fermeture de la frontière avec les Américains. On a quand même eu peur, M. Trudeau, de manquer d'équipements, de médicaments et d'aliments. Est-ce que la nouvelle entente prévoit les mêmes mécanismes pour la circulation des biens ou vous l'avez bonifié, vous avez des garanties supplémentaires? Non, c'est les mêmes mécanismes. Justement, on prévoit que les denrées essentielles, la fourniture médicale et tout doit continuer à passer à travers notre frontière partagée et c'est ce qu'on va continuer d'assurer. L'accord avec les États-Unis comprend les mêmes termes. Il s'agit d'une prolongation de 30 jours. Cela va nous permettre de nous assurer de continuer d'avoir des biens de nécessité à travers la frontière, de les échanger. Par rapport à ces masques qui devaient nous arriver de la part de la compagnie 3M, on sait à quel point ça a été compliqué en raison des directives mises en place par le président américain Donald Trump. Vous n'avez pas cru bon d'aller chercher des garanties supplémentaires pour que tous ceux qui nous fournissent en masques, en gants, en jaquettes puissent le faire facilement aux États-Unis et qu'on n'ait pas seulement qu'à compter sur la Chine pour recevoir cet équipement de protection? Effectivement, c'est extrêmement important qu'on continue à recevoir l'équipement essentiel de partout dans le monde, y compris les États-Unis. On a été très contents de pouvoir assurer la continuité des envois de 3M. Et on continue de travailler de très proche avec l'administration américaine pour s'assurer que nous recevons tout l'équipement nécessaire. Merci. Prochaine question. Operator. Prochaine question, Mélanie Marquis, La Presse, à vous la parole. Merci. Bonjour, M. Trudeau. Le gouvernement, votre ministre Marc Garneau, annonçait hier l'obligation pour les voyageurs aériens
de porter des masques faciaux ou des couvre-visages. Va-t-on élargir cette consigne-là à la population aujourd'hui lorsqu'on entamera le déconfinement, voire avant même? Par rapport à l'annonce du ministre Garneau, je dois souligner évidemment qu'on interdit présentement tout déplacement non essentiel. On ne veut pas que les gens se mettent à voyager, qu'ils aient un masque ou non. C'est moins bon de porter un masque que de rester chez nous par rapport à la protection contre la COVID-19. Mais c'est une mesure qui va continuer d'aider les gens dans des situations où la distanciation sociale, comme dans un avion, est extrêmement difficile. Par rapport aux mesures qui seront mises en place une fois qu'on commence à relâcher un petit peu les restrictions, c'est encore en discussion. On est encore en train de discuter longuement avec les scientifiques sur quelles seront les meilleures mesures en place pour assurer la protection des Canadiens. Et on va en avoir plus à dire au fur et à mesure que ces discussions et cette réalité s'approche. Une suivi, ensuite, oui, Alex. En suivi, monsieur Trudeau, par rapport à l'entente qui a été conclue avec les États-Unis sur la frontière, il y avait eu un pépin avec l'enjeu des demandeurs d'asile irréguliers que les douaniers américains, en fait, comptaient renvoyer dans leur pays d'origine. Est-ce que ça a été modifié dans l'entente? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est dans la nouvelle entente là-dessus? C'est la même entente qui est renouvelée pour encore 30 jours. Et on continue de s'assurer que nos valeurs et nos principes en tant que pays soient respectés. Thank you. Next question. Operator. Merci. Thank you. Next question. Theresa Wright from the Canadian Press. Your line is open. Good morning, Prime Minister. The Conservatives want four in-person settings. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Les conservateurs souhaitent avoir un rappel du Parlement chaque semaine avec les parlementaires. Et on nous dit que votre allocution hebdomadaire avec les médias pourrait se faire au Parlement. Qu'en pensez-vous? D'abord, il est très important que chaque jour, les Canadiens, le public canadien, soient informés des mesures que nous mettons de l'avant. Nous mettons de l'avant des nouvelles mesures presque chaque jour. Alors, je pense qu'il est essentiel que les médias soient en mesure de continuer d'avoir accès et de poser des questions pour informer le public et s'assurer que le Canada fonctionne de la façon dont il doit fonctionner. Une partie de ce travail en démocratie, c'est de s'assurer qu'il y a de l'imputabilité via notre système parlementaire, et c'est quelque chose sur lequel nous travaillons aussi. Nous avons proposé que la Chambre des communes retourne chaque semaine d'une certaine façon pour permettre d'être imputable et de voter des mesures pour aider les Canadiens. En ce moment, nous sommes dans une situation où des élus de partout à travers le pays et leur personnel se demandent s'ils devront sauter dans un avion et se rendre à Ottawa demain. Évidemment, ce n'est pas quelque chose d'un point de vue de santé publique que nous voudrions voir se produire. En ce moment, la loi prévoit que le Parlement doit rouvrir complètement lundi. Évidemment, ce n'est pas une bonne idée. Voilà pourquoi nous avons proposé des mesures et nous en discutons avec les autres partis et nous espérons que nous parviendront à une entente avec eux. Alors, on n'aura pas besoin de tous revenir à la Chambre des communes ce lundi. On est encore en train de discuter avec les autres partis. On a proposé que la Chambre pourrait siéger à chaque semaine pour assurer des opportunités de poser des questions au gouvernement, mais aussi pour pouvoir passer d'autres mesures qui vont aider les Canadiens. La réalité, c'est que lundi matin, 338 députés et leur équipe sont censés être à Ottawa, sont prévus d'être à Ottawa pour que le Parlement siège de nouveau. Évidemment, ce serait pas une bonne idée dans le contexte actuel. Alors, on a fait des propositions pour assurer qu'on puisse faire d'autres choses pour garder notre démocratie en bonne santé, tout en gardant les gens en sécurité. On espère vraiment que les autres partis vont être d'accord avec des propositions comme ça, parce que je pense que ce serait un vrai problème si nous devions retourner au Parlement lundi matin.
And follow up, Teresa. Yes, many people on social assistance programs are surviving on less than people. Bien des gens sur l'assistance sociale vivent actuellement avec des revenus moindres que la prestation canadienne d'urgence. Certaines personnes qui vivent de ces prestations de dernier recours se demandent pourquoi ils n'ont pas accès à la prestation canadienne d'urgence. Pourquoi ne pas rendre cette prestation universelle? Nous avons rapidement pris la décision de remplacer les revenus de ceux qui ont perdu leur emploi en raison de la COVID-19. Vous savez, ce sont des familles qui comptaient sur ces chèques pour payer l'épicerie, payer le loyer, payer des biens essentiels. C'était notre priorité absolue et nous devions aller rapidement de l'avant avec cette décision. Et il y a plus de 7,5 millions de paiements de la prestation canadienne d'urgence qui ont été réalisés. Il y en a davantage à venir. Nous reconnaissons du coup la vulnérabilité particulière des communautés marginalisées, tout particulièrement certains groupes de la société. Nous avons présenté des mesures pour les aider, que ce soit avec des centres d'hébergement, le financement accru d'organismes caritatifs. Nous avons aussi donner des mesures et une admissibilité accrue à ceux qui font un certain nombre d'heures par semaine. Et on continue d'explorer différentes façons pour aider les gens de la bonne façon. Merci, thank you. Next question, Christopher Gouley, de Taiyi. Your line is open. Good morning, Prime Minister. You've been holding regular conference calls with the Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Vous avez tenu des rencontres téléphoniques avec des premiers ministres des provinces depuis le début de la crise, mais vous n'avez pas tenu ce genre de conversation avec les leaders de l'opposition. Pourquoi? Nous avons eu des discussions très étroites avec les leaders d'opposition, avec moi directement et à travers des ministres, avec des séances de bréfage régulières, avec des représentants des autorités, différents sujets ont été discutés, mais je suis d'accord, on doit garder les principes de notre démocratie fort, et voilà pourquoi notre Parlement pourrait revenir en activité de façon différente chaque semaine pour s'assurer de l'imputabilité, s'assurer qu'on puisse aller de l'avant avec différents projets de loi, et on espère qu'on aura une entente avec tous les partis, parce que l'alternative, ce serait de retourner lundi matin à Ottawa avec un Parlement 338 députés, et on doit reconnaître qu'il s'agirait d'une erreur à ce moment-ci. Certains changements, prestations canadiennes d'urgence créeraient un enjeu. Il y a aussi des prêts et différents mécanismes de position. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait accélérer le paiement de certains prêts, par exemple? Certains se plaignent que cela prend trop de temps. Nous avons consulté les leaders d'opposition et on a tenté de réparer, de corriger certaines failles. Il y a plusieurs élus libéraux qui passent le message, qui consultent. On sait que les Canadiens travaillent de façon incroyable à l'heure actuelle pour tenter de corriger les erreurs dans ces programmes, les failles, et il y a plusieurs suggestions qui nous parviennent. On tente d'améliorer, de corriger ces programmes pour aider le plus de Canadiens possible. Et il y a un bon signe de collaboration et de solidarité en ce moment. Les Canadiens travaillent ensemble, se soutiennent, sont là les uns pour les autres. Comme ce que l'on voit un peu à l'extérieur du monde politique en ce moment. Aujourd'hui, les entrepreneurs, petits entrepreneurs, sont au cœur de plusieurs communautés. Et ils craignent de voir leur endettement exploser avec les programmes qui sont présentés. Il y a plusieurs entreprises qui, en ce moment, n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Est-ce que vous envisagez vraiment déployer un plan pour les aider à payer leurs loyers commerciaux? Oui, j'ai eu une bonne conversation avec les premiers ministres des provinces sur l'enjeu des loyers commerciaux. Nous regardons cet enjeu de façon très
prioritaires et on parle à différents groupes qui représentent des industries, les associations de propriétaires, les provinces. Les provinces ont la responsabilité des loyers et de la relation entre les locataires et les bailleurs et on doit donc travailler avec les provinces sur cet enjeu. On reconnaît qu'il y a différentes réalités un peu partout à travers le pays, mais on a entendu le message des petits entrepreneurs. La subvention salariale les aide, mais les coûts fixes en ce moment représentent un enjeu et on aura davantage à vous annoncer au cours des prochains jours. La Colombie-Britannique a réussi, dans une certaine mesure, à aplanir la courbe et envisage d'assouplir les restrictions. Vous dites que c'est trop tôt pour le faire, mais pendant ce temps, des provinces comme le Québec et l'Ontario sont dans le pic de la crise. Est-ce que vous craignez que des messages contradictoires puissent instaurer une certaine confusion? Et est-ce que ce sont les provinces qui vont prendre la décision de relâcher les restrictions ou c'est le fédéral qui va donner le feu vert? Les Canadiens doivent comprendre que ce que nous avons fait jusqu'à présent s'est avéré difficile, mais essentiel pour traverser la crise de la meilleure façon. Les Canadiens ont aussi peur et sont inquiets face à la perspective de rouvrir les choses trop rapidement, de la mauvaise façon, et qu'on se retrouve ensuite de retour dans une situation similaire dans quelques mois. Et tout ce que nous aurons sacrifié sera en vain finalement. Alors, nous avons été très attentifs dans la façon dont nous allons de l'avant comme pays. J'ai parlé avec les premiers ministres des provinces de cet enjeu et tout le monde reconnaît qu'il faut être extrêmement vigilant, prendre des précautions. Il y a un réel souhait que nous soyons coordonnés, que nos directives, nos messages et les principes qui sous-tendent nos stratégies soient coordonnés. Mais la situation est différente d'une région à l'autre à travers le pays. Et les mesures qui seront annoncées au cours des prochaines semaines vont varier, évidemment. Ce sera une importante partie du redémarrage et on doit quand même s'assurer d'y aller de l'avant ensemble et de façon coordonnée avec les premiers ministres des provinces, les municipalités, le gouvernement fédéral pour s'assurer qu'on prend les bonnes décisions et que nous envoyons le bon message à tous les Canadiens à chaque étape. Le message demeure le même. Nous devons demeurer extrêmement vigilants pour le faire de façon coordonnée et de façon collaborative. L'industrie canadienne de la viande fait face à une crise. Plusieurs installations de transformation ont dû fermer en raison de la COVID-19. L'Association canadienne de l'agriculture dit que votre gouvernement doit prioriser la production alimentaire pour éviter les pénuries. Nous avons entendu que le gouvernement fédéral étudie toutes les options. Quelles sont ces options pour rassurer les Canadiens et leur dire qu'ils seront en mesure d'acheter des aliments et de la viande au cours des prochains mois? Nous devons nous assurer que notre chaîne d'approvisionnement alimentaire soit une priorité. Et on doit aussi stopper la propagation de la COVID-19. On doit s'assurer que tous les travailleurs de toutes les industries peuvent rester en sécurité. Et trouver cet équilibre nous demande d'explorer différents scénarios de façon prudente. Et oui, on doit s'assurer de maintenir cette chaîne d'approvisionnement qui permet d'acheminer des aliments aux Canadiens. Et on doit s'assurer qu'on a une sécurité alimentaire, une stabilité alimentaire au Canada. Cela veut dire de profiter des mois de l'été. Là, ce sont les semences, éventuellement les récoltes au Canada. Mais en même temps, on doit s'assurer qu'on fait les choses pour aussi garder les travailleurs agricoles, les fermiers, les producteurs, les transformateurs en sécurité. Et nous sommes très attentifs à cet enjeu. Monsieur le Premier ministre, un institut de recherche indique qu'il faudrait mener des milliers de tests supplémentaires pour rouvrir l'économie. Pour ici assouplir les restrictions, combien de tests seront nécessaires chaque jour? Nous travaillons chaque jour sur une meilleure coordination, de meilleures technologies pour accélérer le rythme des tests de dépistage. Et à certains endroits dans le pays, il y a eu beaucoup de tests. À d'autres endroits, il y a eu des défis à ce sujet. Mais nous sommes confiants que nous allons pouvoir augmenter le rythme de manière significative. Et tous les premiers ministres des provinces le reconnaissent. Des tests massifs
sont une partie cruciale d'un plan pour éventuellement assouplir les restrictions et redémarrer l'économie. C'est quelque chose sur lequel le gouvernement fédéral travaille avec les provinces pour s'assurer qu'il y a suffisamment de tests, de matériel, de réactifs, et c'est le genre de choses sur lesquelles on travaille tous ensemble et on sait qu'on doit en faire beaucoup plus que ce qui est fait présentement, et on est sur la bonne voie. Plusieurs cas dépistés au Canada sont des cas qui proviennent des États-Unis. Si les États-Unis assouplissent les restrictions au cours des prochaines semaines, quel genre de menace cela représente pour les Canadiens? Nous avons une restriction à la frontière où les échanges non essentiels, les voyages non essentiels ne sont pas permis. Nous allons continuer d'adopter des mesures pour garder les Canadiens en sécurité tout en s'assurant que les biens de nécessité au sein des chaînes d'approvisionnement puissent continuer de traverser la frontière. Très vigilant par rapport à nos frontières et aux voyageurs de l'international. Nous allons continuer de travailler avec les Américains pour assurer notre sécurité, comme en continuant les mesures courantes à la frontière. À chaque étape, nous allons faire ce qui est nécessaire pour protéger les Canadiens et assurer la continuité de nos chaînes d'approvisionnement. Marika Walsh with the Globe and Mail. Prime Minister, I'm wondering if you can tell us what the impact on Canada's stockpiles has ministre, been pourriez-vous for nous dire PPE quel est l'impact sur les réserves de matériel médical alors qu'il y a plusieurs entrepôts à travers le pays qui ont fermé leurs portes? Au cours des dernières semaines, nous nous sommes concentrés à livrer du matériel médical aux provinces et s'assurer que les travailleurs au front dans le système de la santé, ceux qui mettent leur vie à risque pour garder les Canadiens en sécurité sont protégés de la bonne façon. Les efforts continuent. Je vous ai dit qu'il y a deux avions qui sont arrivés au cours du week-end. Il y en aura plus qui sera fait au cours des prochains jours. Et nous sommes confiants que nous sommes bien positionnés en ce moment et que la situation va s'améliorer alors que l'industrie canadienne produit aussi du matériel médical. Et c'est extraordinaire de voir le niveau de collaboration du secteur manufacturier au Canada pour fournir du matériel médical. Et on est vraiment dans une meilleure position qu'il y a plusieurs semaines. Évidemment, il y a un besoin d'être très vigilant et plusieurs leçons seront apprises pour que le Canada soit éventuellement mieux préparé à des cas d'éclosion. Une question peut-être un peu simple. Mais pourquoi on prolonge la fermeture de la frontière avec les États-Unis? Est-ce que c'est parce que vous avez des craintes que le président est trop rapidement vers un déconfinement? Est-ce que c'est parce que vous avez l'impression qu'ils ne savent pas ou qu'ils sont incapables pour l'instant de bien gérer la pandémie? Expliquez-nous pourquoi. On a fermé nos frontières aux voyageurs de l'international depuis bien des semaines, et ce, pour les gens de tous les pays du monde. On a pris quelques jours de plus pour le faire avec les États-Unis parce qu'on avait besoin de s'assurer que ça se fasse d'une façon coordonnée, qu'on puisse permettre la continuation de nos chaînes d'approvisionnement et qu'on puisse le faire en concert avec notre voisin et notre partenaire le plus proche. C'est des mesures qui ont été essentielles pour protéger les Canadiens, pour limiter la propagation du virus, et nous allons les continuer pour les États-Unis et pour tous les autres pays pendant encore un bon nombre de semaines. Okay. We made the decision a number of weeks ago. Nous avons pris la décision il y a de cela plusieurs semaines de fermer nos frontières aux voyageurs internationaux. Nous avons reconnu qu'il s'agissait d'une mesure importante, mais nécessaire pour prévenir la propagation de la COVID-19 qui aurait pu venir d'ailleurs, de l'étranger. Cela a contribué à nous placer dans une bonne position. Et donc, le fait d'aplanir la courbe. Nous avons inclus les États-Unis dans ces mesures parce que ce sont des mesures que nous avons déployées pour tous les pays. On a pris un peu plus de temps avec les États-Unis pour s'assurer d'être bien coordonnés avec notre voisin et notre plus important partenaire commercial. Ça a été très efficace comme mesure et nous avons coordonné ces efforts. On va continuer nos discussions avec les États-Unis, avec le monde entier.
pour s'assurer, évidemment, que ces mesures soient maintenues pour plusieurs semaines. Comment ça se fait qu'il n'y a toujours pas une entente? Ça s'en vient dans deux jours. Vous êtes capable de vous entendre avec les Américains? Qu'est-ce qui bloque? Il y a trop de partisanerie? Vous n'êtes pas capable de mettre de l'eau dans votre vin? On a une situation où plusieurs des différents partis sont d'accord qu'on devrait avancer avec des mesures pour avoir un Parlement qui revient de façon limitée à chaque semaine. Mais il y a un parti qui veut avoir un Parlement qui siège 4 ou 5 jours par semaine et je pense que c'est pas la bonne chose à faire. C'est pas le bon équilibre. Continue nos discussions. Plusieurs partis, des partis d'opposition, sont d'accord que de siéger de manière limitée chaque semaine est la meilleure façon de s'assurer que le gouvernement soit imputable et continuer le travail nécessaire pour adopter des lois pour les Canadiens. Évidemment, nous aimerions voir davantage de séances du Parlement de façon virtuelle pour permettre à des élus de partout à travers le pays, pas seulement ceux de la région de la capitale nationale, de participer aux échanges. Il y a un parti à l'heure actuelle qui demande toujours de siéger davantage au Parlement et je pense que cela contrevient au principe de santé publique et on tente de trouver un équilibre en ce moment pour protéger nos institutions et on espère bien obtenir une entente.